Roi Liche ou Recousu? Recousu, c'est 50 points de vie au lieu de 40. Je vais prendre le Roi Liche, hein. T'avoues que je préfère le report du Roi Liche plutôt que 10 points de vie. On va peut-être pas exagérer non plus. Il était nerfé le Recousu. Et voilà 7 nouveaux adversaires. Préparez-vous au combat. Alors là, je freeze. Sans être sûr que je vais acheter ça, mais l'idée c'est que si jamais je freeze et qu'on me redonne un chasse-marée Murloc à côté, là je peux faire un excellent start. Je suis pas sûr que je vais le freeze encore une fois après, vu que je vais certainement level up. Mais si on m'en propose un troisième, du coup, là je freeze à 100%. Donc on va essayer comme ça. Tu comprends le nerf du Okuzu d'ailleurs? Je comprends le nerf, mais je pense que le faire passer à 50 points de vie, c'est abusé. Je pense que 55 points de vie, ça aurait déjà été suffisant. Parfait. Et là, du coup, je freeze. Incroyable. Si un troisième, ça serait honteux. Si un troisième, ça serait juste de l'optimisation. Ça s'appelle un call. Ouais, le nerf de Recousu est abusé. Quel visionnaire. Oui, mais après si on avait de la merde, j'aurais pas freeze, tu vois. J'aurais laissé ça et je me serais dit, bah, ça m'intéresse pas et basta. Mais là, vu qu'on a bien setup, c'est intéressant. Vous inquiétez pas, j'oublie pas. Juste pour vos triggers. Si c'est fouf. Ah putain. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Tellement easy. D'abord le jouer et ensuite tripler, hein. J'aime bien le prendre lui. Ce n'est pas le plus fort, mais Est-ce que je freeze absolument pour ça? Oh, éclaté. Prends le commandant, je m'en fous, hein. Genre vraiment, je prends le commandant, fuck le reste. Est-ce que je freeze? C'est vraiment trop fort pour moi le rejeton en early. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? C'est pas mal ça. C'est pas mieux de faire le triple avec le ripop. Non. Faire un ripop, c'est quoi l'intérêt de faire le. Je comprends vraiment pas ce qui se passe dans vos têtes, hein, les gars. Si tu fais le triple avec le ripop, bah t'as un serviteur en moins. Genre, je me demande vraiment comment vous réfléchissez parfois. Vraiment, hein. Je sais qu'on n'est pas tous égaux, mais bon, quand même. Alors, vraiment, si vous jouez à un jeu de réflexion, normalement, c'est. Et vous devez réfléchir un minimum, quand même, non? Non, là, en l'occurrence, la question est vraiment très très conne. Hein. On dit souvent qu'il n'y a pas de questions con, mais là, c'était quand même vachement con. La 4-5, plus à gauche. Pas spécialement, parce que j'ai envie que les Murlocs profitent à fond du chef de guerre. Et s'il reste en vie, bah c'est pas plus mal parce qu'il infligera beaucoup de dégâts à l'adversaire. Merci Ish. Et top 1 eu. Ouais. On est top 1. On va prendre le voyant qui est plus sympa ici. Le petit level up. Oh, le placement est bien. De la plus forte à la moins forte, juste on peut changer ça éventuellement. Ouais, ça me plaît. Peut-être après, ouais, Gozu. Ouais. Je pense qu'on... On pourra mettre ça, ouais. On va le faire maintenant, ouais, vas-y, go. C'est vrai que la musique du jeu, ça commence à faire beaucoup.
Merci à Aimflo. Merci pour ton prime. Boom. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Franchement, je vais level up Hero Power. Hein. Merci Scroll. Je level up parce que là j'ai envie d'aller chercher les marques du T4. Merci aussi à Etimi. A Timai. Je sais pas comment je dois prononcer. Ah mais il est full sub offert en fait. Merci c'est fauf. Merci beaucoup pour tes 10 subs. Aya, merci beaucoup. J'étais en mode mais ça s'enchaîne. Il y a aussi Evandro qui a au sub pour ses 9 mois. Merci gars. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Et Zokyo qui s'est abonné également. Merci pour son prime. Et également Mirgoz. Je vais te prendre de l'avance là parce qu'il y a trop de subs. Je baisse un petit peu la musique. Mais à peine quoi. Dis-moi si c'est bon la musique. Je pense que c'est ok. Arrête avec des mechas. Tu vois bien que je suis Murloc, putain de merde. Voilà. Tata! Voyons si vous parvenez à rester. Un poil trop fort, je baisse. Encore des sables là? Ah c'est ceux qui étaient en retard là. Ah bon après les niveaux 3 je suis niveau 4. Faut juste qu'on commence à choper des vrais murlocs là. Qu'on se fasse un triple, qu'on se régale. Regardez full choke. Aïe aïe aïe. Merci Spamlor. Go. Il est déjà doré là. D'ailleurs, il faudra que j'étais le jeu en soi. C'est pas là parce que je suis perdant en fait. Je suis même pas sûr de vouloir l'été parce que je suis perdant en termes de board. Ok. Hey. Boomer à PM. Si il fallait sniper. Ah je disais non, je dis rien. En tout cas, du coup, ils sont boostés. Je sais pas pourquoi j'ouvre ma gueule à chaque fois. Faut juste que je la ferme. Dès que j'envisage le pire, ça se passe. Merci, Aether. Merci aussi à Nirodin. Merci beaucoup.
Oh, je vais têche lui. Pour essayer de récupérer à nouveau les points de vie. Oh. Alors, en vrai, autant que je mette genre là, non? On va mettre lui genre plutôt aussi. Si jamais il y a un bouclier. Ouais, le fait de pas avoir d'amalgame, ça peut relou, hein. Toujours pas de mort dans la game. C'est tenace, c'est tenace. On va faire égalité là. Il chope à trip, je pourrais level up. Ouais. Bon, c'est lui que je tège, hein. Ok. Porte le Megazord. Lui est trop bien avec l'Hero Power. Beaucoup trop fort ensemble. Même sans jouer même sans jouer Murloc. Même en jouant Murloc. Oh ouais, favori de la full x2 avec AFK, c'est trop fort en early. T'as dit parti, combien de fois tu estimes jouer Murloc? Je joue très peu Murloc en vrai. Genre bah, ce matin quand je suis full monté, j'ai pas joué une seule fois Murloc. Juste bah quand je start Murloc, je pars Murloc, mais je force pas Murloc. Je pense que ceux qui forcent Murloc vont pas spécialement bien monter. À partir du moment où ça joue bien et que tout le monde veut forcer Murloc, c'est forcément pas bon de jouer Murloc. Si tu veux en tout cas monter dans le du classement. Parce que si tu fais un strat que tout le monde, tu montes, tu fais pas en moyenne top de top 3. C'est pas possible. Tu joues contre des bons joueurs. Les gens full force Murloc, je monte en flèche en jouant juste ce que le jeu propose. Mais c'est ce que je fais aussi pareil. C'est comme ça que je suis monté le matin. Le matin, j'ai absolument rien forcé. J'ai pas joué une seule fois Murloc. J'ai joué le matin, j'ai joué Mecha. J'ai joué une fois Démon. Et j'ai joué deux fois Comporal d'Agonie. Et j'ai fait top 1, top 2 à chaque fois. Genre là, on est sur du Murloc, mais on galère parce qu'il y a un doute qu'on pique des Murloc et on. Bon après on galère surtout parce qu'on n'a pas eu le Megazord ni, ni le tour sac quand on aurait pu. C'est toujours très frustrant d'ailleurs, hein. Après roi l'échec le bois ça carrie vraiment, hein. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis d'autres dragons que Amalgam dans le jeu. Je rappelle qu'on est sur une bêta, les gars. Dis ça, je dis rien.
Je cherchais lui, mais je ne trouverais visiblement pas. Je pense qu'Hero Power est mieux que de prendre l'autre en plus. Et de freeze. Je pense que oui. Pense que c'est mieux comme ça. La bêta finit mardi, je ne sais pas. Ouais, le lit. Casse les couilles, j'ai pas récupéré mon bois. J'ai le seum. Oh, t'es sérieux, lui va y fendre là? Allez, on lui rend le bouclier, c'est parfait ça. A deux options de triple. Ran, je pourrais pas le jouer. Ah. En vrai, je vais têche la 8-14, hein. Je pense que c'est le mieux. Comme ça, je peux garder l'option du triple pour le Megazord. Ce qu'il nous faut là, c'est un Megazord. Merci Antoine! Merci Antoine! Si on chope bouclier divin, on est ultra bien. Mais pour ça, il faut qu'on chope le triple là-dessus ou là-dessus. Alors faire un level up pour aller chercher le Megazord, c'est trop compliqué. Il nous faut le bouclier divin. Donc 6 secondes. Oui et non, parce qu'il peut y avoir beaucoup de boucliers divins. Il peut y avoir genre de boucliers divins, surtout contre. Surtout contre Georges. Regarde. Donc même si t'es un détour entier, tu vois que mon placement est bon. Et t'es que les boucliers divins là, c'est fort contre Murloc, hein. Oh que oui. Oh que oui. Yeah, ça, oh là là, le bois qui régale. Oh là là, le bois il régale tellement avec la grand-mère qui va péter le bouclier. Oh là 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 là, il est trop chaud le bois. Et si Zirnefix et Mysterious Shredder, merci pour ton prime frérot. Quand on va tellement taper là-dedans, c'est chiant. On a bien chaté sur ce fight là. On a bien chaté ce fight là. Le fait est que bah, il a full bouclier le frérot Georges et que. On va toucher notre triple. Yo pro Skyler. Voir si on touche à Bran. Fuck! Tu peux avoir un bois doré, ça peut être insane, hein.
Quel plaisir de ne pas avoir de Mégazord. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Ah, c'est lui qui casse les couilles avec son zap là. Oh, il a tapé le bon. Oh, quel boss. Oh, quel frérot. La compo est pas ridicule sans, même sans Mégazord. Oui, 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 c'est pas ridicule, mais c'est un peu léger quand même. Attends, mais du coup, le bois il revient x2 avec le 4 gars. Si jamais le bois se fait sniper avant et que j'ai la place. Bon, de toute façon, il est mort. Hein. Attends, attends, on va voir. Mais j'imagine que oui, logiquement, oui. Il n'y a pas la place. Non, c'est réincarné. Oui, mais c'est quand même réincarné, ça réinvoque. Donc, je sais pas. Le bois doré. Le bois doré. Le Mégazord. On va d'ailleurs vendre pour pouvoir y repouvoir sur le bois doré. Sur le bois doré. Oh mais vas-y, bouclier, il va là. Hey, il va, vas-y, frérot. Vas-y, bouclier, il va là. Hey, hey, il va là. On va prendre le plus 3. Hein. Et pop, ça peut être ok, mais là, je pense que le plus 3, rien mieux. Du coup, on a un bois doré qui invoque 4 serviteurs. Le problème, c'est qu'il faut de la place pour qu'il réinvoque. C'est le gros problème. Mais s'il y a la place, c'est insane. Faut-il avoir la place. On dit GG pour le top 1 et RDU a trash talk de ouf, mais bon. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Ma trash talk? Non, ça m'étonnerait. Encore une fois, si t'écoutes le chat, on va se retrouver avec des propos qui ont été modifiés. T'as envie d'avoir la place. Bah s'il meurt à la fin, c'est bon. Un faux chat. Oh oui, je pense que c'est un faux chat. Hein. Non, je pense pas. Maintenant, pareil, il faut qu'il snipe tout avant que, que lui meure. Le chat ne ment jamais. Bon, lui il a été meilleur, il a eu les boucliers. Il mérite, il mérite. Allez le boa! Allez le boa! Il y avait grave le seum de se faire dépasser. Oui, ça c'est normal. C'est un compétiteur. C'est gagnable. Bah si je chope aussi un Mégazord pour Bouclier Diva, je peux avoir une chance. Juste qu'on a traîné à avoir un Mégazord et quand on a eu le Mégazord, on n'a pas eu de Bouclier Diva. Le bois chier, les ripop étaient pas suffisamment bons. Hein. C'est Mégazoria, ça a rien ça. Quoi, Mégazor? La toxi ça bait. Si j'ai pas Mégazor, j'ai perdu. Ça me coûte trop cher de le prendre. Ah, ah, ah. Game over. AFK ou recousu? Je préfère AFK, largement. Merci Mac. Merci pour tes 9 mois. Ouais, je sais que bouclier c'est trop fort. Hein. C'est la mécanique la plus forte sur Battleground, les boucliers. Tout simplement.
Allez le bois doré. A toi de jouer. A toi de jouer. Dans quel monde il peut me carry 4 Snid. Des Snid. J'ai pas de mecha putain. Pas encore. Ok, il faut qu'il tue ça et qu'il y ait des mechas. Y'a pas de mecha, y'a pas de mecha. Il va donner full mecha là, tu peux être sûr. Ok, non. En même temps, des mechas d'agonie, y'en a pas tellement. Y'a le golem. Ah si, y'en a y en a quand même pas mal. T'as le golem. C'est à se piloter, t'as le déchiqueteur, t'as le golem de moisson également et le corbot. Y'en a 4. Top qu'il y en a 4. Et le Snid, il y en a 5. La bombe, 6. Ah, il y en a quand même pas mal. Ah, il y en a 6. Hein. Ouais, je suis sur NA là.